Tikana prophétiser na vie. Bisika balinga bazokufa kokufa te. Eloko pomi tata na yo ko poma yote. Eloko pomi mama e ko poma yote. Ya ye. Les jours de chaque chrétien ont tourné. Tu vas savoir que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle. Et tu commences à spiritualiser ta vie. Tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe? A partir de l'élo, na commission intouchable. Amen. Na commission bino invisible. Na yoko kotsa yo, na linye ya batuba isapa makambu ya tenye wa. Mbote na bino banso balandi yonso bazo lanangaye na minute oyo. Na bisika ipai bozali, eza na ndaku, eza na musala na biro. Zambe apambo labino na kombo na Yesu Masia. Bonjour à vous tous qui nous suivez de par le monde, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nazana esengo. Je suis dans la joie. Kuza en live na minute oyo. Être en live maintenant. Yako partager na biso. Pour partager avec nous. Oyo morimu musantu atie na mutema na ngai. C'est que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Bien-aimé. Molingami. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Surtout dans le oyo ya pandémique, bouleversé. Surtout en ce temps, le monde est bouleversé, ce temps de la pandémie. Et le cotozan a besoin et sa bilay ya molim. Ce dont nous avons besoin, c'est la nourriture spirituelle. Pour nakosunga biso. Pour nous aider. Et le samboranga. Ma prière. À tous les téléspectateurs ou besoin la nanga na minute oyo. À tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vina yo ekotika la lolenge makolisusute. Ta vie ne sera plus jamais la même. Balandinyo sobazo la nanga. Tous ceux qui nous suivent. Bisika ozali. Partout vous êtes. Na lengi oyo kanga malam. J'aimerais que vous nous suiviez. Zambe azolobela yo. Dieu te parle. Des choses se passent dans le monde. Ce sont des choses, la parole de Dieu nous a dit, et qu'on les cahiers souillés, moi quoi confirmer à l'obé, toutes ces choses doivent être réalisées. Yesu yé moko lobi makambo onyoso et sengeli et salema. Mais à l'obé lissus. Mais il a encore dit, ce n'est que le commencement. Ezakaka ebandeli. Des douleurs. Yabapasi. Ce n'est pas encore la fin. Souka e komina noté. Mais ce n'est que le commencement. Kasi o ezakaka ebandeli. Biso na kati ya commission yo to sto lobby sans yo za sans ya accomplissement prophétique. Dans cette commission nous avions déjà dit que c'est moi, c'est un mois d'accomplissement prophétique. Et ce que tangi o tali makomi ya Yesu na Matthieu 24 o komuna ke a prophétisé ango. Alobi biloko po amona aza zambe il est omniscient ayeba kayonso kobana na suka tina ibandele banele tina suka il connaît tout so asia yibike makamboyo ko salema mokili batu ya mokili ba ko sala makamboyo asia lobi ce n'est que le commencement. Et Christ savait que ces choses arriveront et il en a déjà parlé dans ses écritures et alobi ezakaka ebandeli. Na link totanga na Matthieu chapitre 24 à partir verset 26. Amen. À partir verset 6. Matthieu 24 à partir verset 6. Tu peux lire pour moi Gauthier. Matthieu chapitre 24 à partir de verset 6, version oui. Darby. Merci. Et vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Car il faut que tout arrive. Merci. Oyoki, Yesu alobi. Car il faut que tout arrive. Siko yo okozo sambela contre loko mokonzi mokeli alobi yonso ekoleka. Bien aimé, on ne peut pas prier contre ça. On peut prier seulement pour l'exemption. Na emission yo ngana ko sambela pona mboka na biso zambe a epanoui biso de tout mal. Na sambela pona te afri zambe a epanoui biso de tout mal. Mais ce sont des choses que ça doit arriver.
moto akoki te ko telemisanelo bana nzambe ko kisamate kasi ngai na ye ko sambela pona RDC pona Afrique ete makambo wana ya mabe e komela biso te. Alléluia. Amen. Continuez. Car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Ok. Verset 7. Alors, la fin n'est pas encore, mais il faut que tout arrive. Ok, continuez. Verset 7. Oui. Car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Il y aura des famines, et des pestes, et des tremblements de terre en divers lieux. Verset 8. Mais toutes ces choses sont un commencement des douleurs. Toutes ces choses sont les commencements des douleurs. So, mon conseiller soit à l'obéissance. Mais j'ai béni Dieu pour lui. J'ai béni la parole de Dieu. À l'obéir. Que ne soyez pas troublés selon verset 6. À l'obéir. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde. Prenez garde. Prenez garde que vous ne soyez pas troublés. Car il faut, quand on dit il faut, obligatoire, il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. So, mais aujourd'hui, le monde est bouleversé. Je viens de parler à mon fils en Afrique du Sud. La fin du monde est Mokili est bouleversé. C'est vrai. Nous sommes à la fin. Mais à l'obi, la fin n'est pas encore. Ce n'est que le commencement. Toutes ces choses ont été déjà prophétisées. Je viens encourager ta foi en cet instant. Face à tout ce qui se passe dans notre monde, quelle position on devait prendre? Quelle position on devait assumer? J'ai deux ou trois points à partager avec toi. Et à chaque jour de notre culte, je serai en live. Nazote abino ba téléspectateurs yonso ba landi yonso ba ndimi a community a faith international mission na mokili mobimba na ba ote abino neti lelo vendredi boko lananga na 17h is a live bozo lananga na 17h live boye e 18h ekoleka lesusu 19h ekoleka 20h 21h ekoleka dimanche okolananga live na 7h e na 8h e na 9h et na 10h na 11h parce que photo tout ça ni peko ya mokozi na biso alobi biso to vanda na ndaku yango na nzela ya mileli bokoko landa matia mercredi aussi na 10h na zawana live 11h na zawana et midi na zawana et 13h na zawana ozo landanga na mileli ipai na yo ezala na YouTube ezala na Samash TV Ozako landa liloba ya Zambe pour nako fortifier kundi manabiso. Et je serai live sur respectant les programmes habituels de nos cultes mercredi, vendredi et dimanche. Vous pouvez nous suivre par YouTube, Samarch TV, autres réseaux sociaux. J'ai deux choses. Nazana makamomi balé. Très important. Oeza penza motuya. Comme il est écrit. Le lenge komami que était. Le juste vivra par sa propre foi. Et la foi vient par ce qu'on entend. Voilà pourquoi dans cette émission live, j'ai deux choses à partager avec vous. Oyo kosungayo na période oyo na ngongo oyo mokileza bouleversé. Qui pourront t'aider en cette période dans laquelle le monde est bouleversé? À cause ya pandémique oyo babengi corona. À cause de cette pandémie appelée corona. Ce sont des choses qui ont été prophétisées. Ce sont des choses oyo a été inventées. Mais Zambia si a monion soana. Mais Dieu avait déjà tout vu d'avance. Parce que le diable voulait que beaucoup de gens va avec lui en l'enfer et beleba kufa bakene en l'enfer ba yamba yesute yango toutes ces choses. Ezabitumba entre ténèbres et la lumière.
Et le diable veut que nombreuses personnes ne croient pas en Christ Jésus et aillent en enfer, car c'est une guerre entre les ténèbres et la lumière. Yesu kutu alobina jabrito utkutanga Matthieu 24. Soki mkuruwana bakati yango mkusete. Même les élus seront séduits et belé bako pengwa et belé bako kufa. Alobi, mais pour nous sauver et ko katana mke. So, pour yé bake, les abitumba entre molili na pole. Et même Christ a dit que si ces jours ne sont pas abrogés, même les fidèles seront séduits. Mais à cause de ces élus, il va abroger ces jours. Mais là où il y a la connaissance, et si kaboye biezali, il y a le pouvoir. Là où il a la connaissance, il y a la victoire. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaîtrez vous franchira. Dès que tu reçois cette vérité, que la paix reste dans ton cœur. Que la paix pénètre dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. J'étais venu le dimanche. Le dimanche passé. La première chose. La matinée chère. Quand je suis monté à la chaire, j'ai dit à ton voisin, ne sois pas troublé. Et aujourd'hui, le premier point que j'ai partagé, Dieu m'envoie te dire, n'aie pas peur, ne crains rien. Comment tu peux affronter cette étape là où mon kibazo leka? La parole de Dieu nous enseigne. Alobi. Il a dit, n'ayez pas peur. Kobanga. Et lokozo banga. Ce que tu crains. Eko domine yo. Te dominera. Bandeko. Bien aimé. Ba fléau ya boye eza bala libosote. Ce n'est pas la première fois que pareil fléau arrive. Et si salamine na ba génération ebele. Nombreuses générations passées ont vécu. Ba tu ebele balobi même 100 ans, 100 ans ça se répète. Et ba tu kutu balobi ya kambula kama mbula kama. Mais ba tu ba kufi ba tu mususu ba bikaki. Mais il y avait d'autres qui étaient morts, d'autres pourtant. Nase ya moyo yo. Sous ce soleil. Na ye koyebisa yo zo lananga. Je viens te dire à vous qu'il y a toujours des exceptions. Et zara na bato ba longwa kana mo. Et lo sambo na ngai. Ma prière. Biso awa. Nous on sait. Pour la exempté. Nous serons exemptés. Na kombo na Yesu Masi. Au nom de Jésus-Christ. Tiens nam esprit na yo. Mets dans ton esprit. Tiens nam otu na yo. Dans ta tête. Exemption ezalaka. L'exemption existe. Batu bazali bakozala exempté. Quoi qu'il arrive, il y a de ceux qui seront exemptés à ta ligne. C'est tout à fait normal. Et ça l'est normal. Voilà. Na Biblia, ce qui est tangé, si nous lisons dans la parole Zambia de Dieu, lobby, je vais effacer le monde tout entier. Toute humanité. Parce que à cause de trop de péchés, parce que ma belle qui mingi, je vais effacer l'humanité. Mais à la fin du compte, il y a un homme qui a été sauvé, épanoui, exempté, lui et sa famille, Noé. Et Zambalobi est segeli na bomba mokini mobima po ite masumu eleki. Kasi atako loba ki bongo, ezali na moto moko na libota na ye, bango ba chama ki pembeni ba. Yango na lobi ko bangate. Voilà pourquoi je dis ne crains rien. Liloba Zambe essaye pesi biso solution na bangonga ya boye. La parole de Dieu nous a déjà donné des solutions pareilles. Alobi 1000 tombera à ta gauche. 10,000 à ta droite. Mais tu ne seras pas atteint. Kasi yo ko si mama. C'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis n'ayez pas peur. Yangonde na bi ko bangate. Parce que eloko mutu azo banga. C'est qu'un homme craint. Et ko domine ye. Le dominera. Et sa stratégie diabolique. Et sa makambo ya sa. Voilà pourquoi ezui en pleurs na media. Voilà pourquoi cela un tel ampleur. Et ça médiatisé partout. On a médiatisé partout le monde. Oh et bandé les lotes. Or ça n'a pas commencé aujourd'hui. Cette histoire a été fabriquée depuis 2003. On sait. Et ça l'est mis pendant la 2003. Voilà, renouvelé encore 2017. Et il y a qui sous la 2017. Et ça déjà wana na mpepe. Et ça qui déjà dans les airs. Mais ba oyo bandimizambe. Ceux qui croisent. Ba kolonga yango. Il le prévaut. Parce que la lumière peut être pour les supérieurs. Et ça l'icolo. Au ténèbre. Y a mon lili. Amen. Yango na yeko sonner l'alarme. Voilà pourquoi je viens sonner l'alarme. Loi ya molimo ya liboso. La première loi spirituelle. Ezana na monde de ténèbres. Que soit dans les ténèbres. Ezana na monde de lumière. Que soit dans la lumière. Kobangate. N'aie pas peur. Kobangate. N'aie pas peur. Job 3 27 otanga Biblia. Nous allons lire dans la Bible dans Job 3. Tanga pona ngai kotie. Job chapitre 3 verset 25. Oui, oui. Version Darby. Car j'ai eu une crainte et elle est venue sur moi. Et ce que j'appréhendais m'est arrivé.
Okay. Quand j'ai une crainte et elle est venue sur moi, et ce que j'ai apprendrai m'est arrivé. Tu vois? Et l'okozo banga et comme la yo. Ce que tu crains t'arrivera. Na génération yonso. En toute génération. Exemption et salaka. L'exemption existe. Quoi que ce soit. Atakoni. Il y a des gens. Il y a des sons qui sont toujours épanouis. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas avoir peur. Lingala monde nouveau, verset 25. Pamba te na yo ki somo ya eloko oyo ebangisaka. Pe yango e komelingai. Pamba te na yo ki somo ya eloko ebangisaka. Pe yango e komelingai. Eloko zo banga. Niko bangi e kokomela yo. Ce que tu crains, dès que tu éprouves cette crainte, cela t'arrive. Dengue zo la nanga yepsa voisin na yo nanda kouke ko banga te. Dis à ton voisin dans ton ménage. Loba na ko banga te. Loba na ko banga te. Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Il est écrit, si Dieu est avec nous, quoi sera contre nous? Qui sera contre nous? C'est la loi spirituelle. Dès que tu as peur de quelque chose, et que domine cette chose te... Mais dès que tu n'as pas peur, tu as dominé la chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé. Voilà pourquoi. La première loi. Longola kobanga. Longola kobanga. Ôte la peur. Longola kobanga. Ôte la peur. C'est très important. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous lisions. Dans Ésaïe chapitre 8. Dans Ésaïe chapitre 8. Nous allons verset 12. Ésaïe chapitre 8. Toujours. Premier point. N'ayez pas peur. Yoka. Na Biblia est comme qui. 365 fois, n'ayez pas peur, ne crains pas, ne sois pas effrayé. Pourquoi et comment mis 365 fois? Ils apposent bien ils disent ok, nous colonions sur la bouche parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Dieu te dit chaque matin au football missionnaire, moi nanangai ko bangate, moi nanangai ko bangate. Parce que l'okoyo sur ko banga et ko komela yo. Omonitango Pierre abani ko tambola likolo ya mai. Amoni mu pepe makasi ezo beta contre. Il a vu la tempête contre lui. Abanga ki? Il avait eu peur. Et abani ko zinda. Et il a commencé à s'enfoncer. Ko banga. La peur. Et sala ke batu bazinda na se loko wana bazo banga. Fait que les gens puissent s'enfoncer dans ce qu'ils ont peur. Mais condiment. Mais la foi. Et sala kake mutu atelema tambola likolo ya eloko wana. Fait que la personne surmonte le défi. Bien-aimé. Olingami. Balandi yonso. Tous les téléspectateurs. Partout tu es dans le monde. Congolais et congolaises. Congolais. Je viens te dire. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est avec nous. Vous pouvez le voir déjà. Dans de nombreux pays, il y a des calamités, il y a des morts, mais pas chez nous. Voilà. Il faut consolider, condiment abiso en Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Alléluia. Amen. Ésaïe 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 12. Ésaïe chapitre 8, verset 12, version Darby. Ne dites pas conjuration. De tous ces dons, ce peuple dira conjuration. Ah. Et ne craignez pas leurs craintes. Et ne soyez pas effrayés. Nalingozonga simamuke. Nalingozonga mamuke nasima. Pour la bonne compréhension. Pour la bonne solution malam. Totangi. Partie verset 10. Ésaïe chapitre 8 à partir du verset 10, version Darby. Prenez un conseil et il n'aboutira à rien. Dites la parole et elle n'aura pas d'effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Verset 11. Car ainsi m'a dit l'Éternel avec main forte et il m'a averti de ne pas marcher dans le chemin de ses peuples. Voilà. Mokili mobimba bakomi ko
ethnic employer et loko yo nini nini. Non. Kokota na je wana te diabolique. Parce que la foi vient par ce qu'on entend et la peur vient par ce qu'on entend. Dès que au bangi, ko banga wana pe e kosisio na se et loko wana pe domine yo. Parce que la peur, soit la foi, vient par ce qu'on entend. Voilà pourquoi je suis là pour pomper ta foi. Que ko banga et loko wana te. Ezakaka neti et loko yonso. Et ça va passer. Et naye ko vimbi sa kondi manayo. Ko banga te. Dès que toutes choses sont passées, celle-ci aussi va passer. Alléluia. Amen. So, verset 12. Verset 12. Ne dites pas conjuration de tout ce dont ce peuple dira conjuration. Voilà. Et ne craignez pas leur crainte. Ne craignez pas leur crainte. Ne craignez pas leur crainte. Et loko bango bazo banga yoko banga yango te. Amen. Et sa loi ya molimo. C'est une loi spirituelle. Mokonzi ya molimo yonso ye oyo azoloba na makomi. Yesu masiande elombe ya molimo yende mokonzi ya ba milimo yonso. Milimo yonso ekusa makalibo sonaye. C'est lui le maître de tout esprit qui parle, car tout esprit fléchit devant lui. Alléluia. Amen. Alors, ne craignez pas leur crainte. C'est lui ça, papa. Et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Écoutez ce que la parole de Dieu a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? L'homme ne vivra pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche. C'est le moment de vivre avec la parole. C'est la parole de Dieu qui va te faire surmonter toutes ces choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et belé bazo ko belanga papa to sani na lobi na côté ya bino à travers ya bibli babeli elili na côté ya bino à travers ya télévision. So zalana yo nanda ko landa mateya. C'est tout. Et nombreuses personnes m'écrivent de par le monde. Que ferons-nous? Je leur ai dit, restez à la maison, vous suivez la prédication de par les médias. Alléluia. So, première chose, Yangwana. Et le roi Liboso. Yeba Yangolelo. Sache-le. Et le koyo sozobanga. Tout ce dont tu as peur te dominera. Ne craignez pas leur crainte. Et ne soyez pas effrayés. Bebo lengate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième point, Lélo. Yami Balé. Ceux qui osent moins en Zambé. Si vous êtes enfant de Dieu. J'ai la bonne nouvelle pour toi. Nazana Sangwela Muponayo. Deuxième point. Yami Balé. A part la Kobanga. A part la crainte. J'ai ma position. Na yo. Sache quelle est ta position. Quelle est ta position? Position na yo et Zandengeni. Est-ce que Yami position na yo? Sais-tu quelle est ta position? Écoute-moi. Yokanga. La Bible dit. Le Bananzambé Lobi. Na Hébreu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Chapitre 11. Alors, nous comprenons que ces mondes visibles ont été façonnés, créés, comme un monde invisible. Ce mokilia naturel, et botami, comme un mokilia surnaturel. Ce loko yon se zo salema, un monde naturel. Et ça, un monde moussou se zo contrôlé en go. Pour nous, c'est que ma kamoyon se zo leka. Sous ce soleil, c'est spirituel. J'aimerais te dire que c'est spirituel. Ce que tu peux appliquer loi, il y a spiritualité. Si tu peux appliquer la loi de la spiritualité, tu domineras toutes les épreuves de ce monde. Voilà pourquoi je dis, deuxième point, il faut reconnaître la position en Christ Jésus. Il n'y a pas été les millénaires quand il y a Christ Jésus. Toute personne née en Christ Jésus. Tu n'es plus un homme ordinaire. Maintenant, il faut vivre. Nous les prêchons, mais l'heure a sonné de vivre ces prédications. Pourquoi on dit la deuxième naissance? La première naissance, tu es né de tes parents humains. On t'a donné par exemple, Jean-Claude. D'ailleurs, Samuel Balogun, par exemple. D'ailleurs, Samuel Balogun, un exemple. Mais tant
Lango yabi Yesu Masiya. Mais quand tu reçois au potamina zambe. Tu es né de Dieu. Wana to benga go deuxième naissance. Wana mbotama ya mibale. Ma Bible m'a dit. La parole de Dieu m'a dit. Celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, attends que moi. Attends qu'un enfant de Dieu. Au potamina zambe. Tu es né de Dieu. Yoka. Écoute. Coronavirus et koko affecté esprit. Coronavirus ne peut pas affecter. Osa molimo. Tu es esprit. Dans un corps. Osa likolo. Tu es supérieur. Osa supérieur. Osa likolo. Voilà pour il faut y ba position na yo. Tu dois reconnaître quelle est ta position. Amen. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Obotamina molimo. Tu es né de l'esprit. Zambe azamolimo. Obotamina ye. Tu es né de lui. Est-ce que corona peut affecter Zambe? Est-ce que corona peut affecter Dieu? C'est là où il faut tout matisa. C'est là où nous devons élever notre foi. Tu n'es pas ordinaire. Tu es extraordinaire. Osa extraordinaire. Amen. Tu ne peux pas effrayer de ce qui effraie le monde. Je me rappelle Fleyo Yaboye Salami en Afrique du Sud à l'époque. Il est un missionnaire que Dieu a envoyé en Afrique du Sud comme moi ici. Et il s'appelle John G. Lake. Parce que dès que Osimbi iné, ok. Iné Osimbi ok, okufi. Yé na ba disciple na ye bazo ya bazo longo la ba bembe. Batobi mais c'est clé na yo ezanini. Bino bozo koya bozo kufate. Alors bi yaka na virus wana che na maboko na ngai. Che microscope soki telescope soki microscope ascoscope na bino otie okomona ke teke ezawana. Nazo fibre okomona ke ba virus wana ezo kufa. Et exactement eloko esalami yangwana. Ce qui a été fait exactement. Il y a quoi répété dans la génération. C'est ce qui se répète dans notre génération. Dieu m'a dit, c'est pour 7 ans ici. J'étais envoyé. Bien aimé. Leur a sonné. Qui sont réellement des enfants de Dieu. Parce que notre foi sera testée. Et la parole de Dieu dit, les choses vivra par sa propre foi. L'heure de vivre par la foi a sonné. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne crains pas, bien-aimé. Sache-le que Osa esprit. Tu es esprit. Esprit a coquille contacté à côté. Un esprit ne peut pas contracter tel maladie. C'est impossible. Et coquille tel que ça l'est. Zambé a coquille contacté à côté. Dieu ne peut pas. Yesu Masiya a coquille contacté à côté. Dieu, Jésus a sa esprit. Il est esprit. Oyo abotamina mutu aza mutu. Celui qui est né d'un humain est humain. Oyo abotamina zambe aza zambe. Et celui qui est né de Dieu. Oyo abotamina molimo aza molimo. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Il faut reconnaître identité na yo. Tu dois reconnaître ton identité. Tu es un esprit. Et tu es molimo. Dans un corps. Kati na nzoto. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Yes, celui qui vient d'en haut et au-dessus de tout. Oh, tu nicolo, alekinioso. Oza likolo, oza likolo ya eloko. Tu es au-dessus et supérieur. Jean chapitre 3. J'aimerais que nous lisons dans le livre de Jean. À partir de verset 3 jusqu'à 6. Jean chapitre 3 à partir de verset 3 jusqu'à 6. Alléluia. Version Darby. Gonganaga is ok. Voilà. Jésus répondit et lui dit. En vérité, je te dis. Si quelqu'un naît né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un naît né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ok. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 24. Jean 3, verset 24. Car Jean n'avait pas encore été. Non. Chapitre 4, verset 24. Nous lisons Jean chapitre 4. Il nous a dit que Dieu est esprit. Jean 4. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit et en vérité. La deuxième naissance, Botamina Molimo. Tu es né par l'esprit. Benge Jean 3 à l'obi. Tel que Jean 3 l'a dit. Verset 6. Verset 6. Voilà. Et Zambé Azam Molimo, Zenge Jean 4, verset 24 à l'obi. Et Dieu est esprit, tel que Jean 4, 24 dit. Ce qui Zambé Azam esprit. Si Dieu est esprit, qu'il est. Sans doute, il est esprit. Mais non, au Botaminae. Tu es né de lui. Parce que John 3, 6 à l'obi, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce qu'un esprit a beaucoup contacté Yango? Est-ce qu'un esprit peut contracter cela? Yango ngonga yango yoko mimona na position zambe a cheyo. Leur a sonné de considérer la position dans laquelle tu es placé. Osa esprit. Tu y es esprit. Osa mutu pambate. Tu n'es pas un ordinaire. Reconnaître votre position. Yeba position na yoana. Abiloko yonso ewuti na monde ténèbres. Toutes ces choses viennent de monde ténèbres. C'est diabolique et satanique. Eza mangungu ya satana. Et yo osa na monde de lumière. Et toi tu es dans le monde la de lumière. La lumière est supérieure. Pour les alikolo. Au ténèbres. Ya molili. Ce qui vient des ténèbres ne peut pas prévaloir sur n'oublie toi. N'oublie pas. Le monde là où nous sommes vient des mondes spirituels. Et né par les mondes surnaturels. Si c'est net par les mondes surnaturels, les mondes surnaturels dominent sur les mondes naturels. Somatise sa spiritualité na yo. Élève ta spiritualité. Et loko wana ekosala na ifene kolo na yo te. Cette chose n'aura aucun effet sur nous toi. Sommes des esprits. Dans un milimo. Dans la chair humaine. Yesu aye a lati nzoto ya moto. Christ est venu la revêtir. Mais il a manifesté les surnaturels. Il a manifesté les miraculeux. Et loko ezo comme la battue comme il y était. Ce qui arrivait aux autres ne lui est pas arrivé. Parce que Aza appartenait na race ya likolo. Parce qu'il appartenait à la race supérieure. Na yeko yebisa yo. Je viens te dire. 1. Yalibosso. 2. Reconnaître ta position. 1. N'aie pas peur. Et 2. Reconnais ta position. Et osa esprit. Que tu es un esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout enforgé contre nous sera sans effet. Parce que nous sommes esprits. Reconnaître ta position en tant qu'esprit. Reconnais ta position en tant qu'esprit. Zambé apamolabino. Que Dieu vous bénisse. Nous nous dimanche. Nous verrons encore le dimanche. À côté à Bino, à 7 heures, à 8 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 10 heures, à 11 heures, à 11 heures. Ça l'a branché. Reste branché. Que Dieu vous bénisse. Père, au nom de Jésus, n'a pas bolibana. Père, j'ai béni les enfants. Apamboli balandi yonso. J'ai béni tous les téléspectateurs. Apamboli ba tu yonso bazola na biso. J'ai béni tous ceux qui nous suivent. Na selebino na makila na Yesu. Je vous scelle dans le sang de Jésus. Denge a cela ki bango na makila na Yesu. Dès qu'il les avait scellés dans le sang. Na Egypte. En Egypte. Na ba fléau yonso le kaki na Egypte. Tout fléau qui était arrivé. Atamoko ya bana Israël était asimba maki. Aucun fils d'Israël n'était. Lo lenge wana. De la même manière. Nazo sambe la pona yo. J'ai pris pour toi. Bisiko zali. Makila na Yesu ezipayo. Que le sang de Jésus te enveloppé yo na komisibino intouchable. Je vous rends intouchable. Na komisibino invisible. Je vous rends invisible. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bon Jésus Christ. Toutes ces choses sont écrites pour nous servir à ta exemple. Bon et salami na Egypte. Cela a été fait en Egypte. Mon ligne est zipimboka. Les ténèbres avaient couvert. Mais piscaba na Israël bazali. Et là le peuple de Dieu. Paul est zalaki. La lumière. Ma paix comme elle bangote. Aucun fléau n'était arrivé. Nanda kunyoso ya ba Egyptien. Dans toutes mes eaux égyptiennes. Bakufa ki kufaki. Il y avait des morts. Ba premier né bakufaki. Les premiers nés étaient morts. Ba nyama ya liboso bakufaki. Même les bêtes étaient morts. Mais Gassi, il paye pas à Israël. Au peuple israélien. À ta mon côté. Même pas le moins. Voilà pourquoi je prie pour toi. Na Egypte. En Égypte. Moïse a réussi Bango. Moïse leur a dit. Bonsoir, makila ya agneau sans tache. Prenez le sang de l'agneau sans tache. Basui. Ils ont pris. Et sali makambo. Et c'est la fête. Yesu aye. Christ est venu. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Yoka. Écoutez. Ce qui est original. Ce qui photocopie. Si la photocopie. Et puis qui si bango na Egypte. Leur a délivré d'Egypte. Et kangoli bango. Leur a exempté. Et protégé bango. Leur a protégé. Original est coprotégé. L'original te protège. Yesu aye na Luc 22. Jésus est venu dans Luc 22. Verset 19. Au verset 19. Et 20. Et 20. Il a pris les privages. A Zouikeni. Alors, ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Abi, oyo, boyo, kenya, sika, na, makila, nanga. Ça c'est la nouvelle alliance dans mon sang. Oyo, boyo, kenya, sika, Yoka, na, makila, nanga. Qui est versé pour vous? Oye, sopani pona bino.
Tango akufa kina ekulu. Quand il était mort à la croix, a versé makila na yi. Il a versé son sang. Maintenant azui privage. Il a pris le privage. Abi na nouvelle alliance oyo. Il a dit dans cette nouvelle alliance. Tokopo manya mate. Nous n'avons pas été ancien alliance. Comme de l'ancienne alliance. Cet privage. Privage et Ezali. La nouvelle alliance. Oyo kanya si. Dans mon sang. Qui est versé pour vous. Oyo sopeni. Verse si. Bosa la boye. À mon mémoire. Bona kokani sang. Yangoyo. Alléluia. Amen. La nouvelle alliance. Oyo kanya si. Dans mon sang. Katia makila nanga. Verse si. Bosa la boye. Ce qui n'ancien alliance. Si dans l'ancienne alliance. Makila ya ntaba anio son tache. Les sceaux de l'agneau sont. Et préservé bango. Les avait préservé. Et protégé bango. Les avait protégé. Molimo ya liwa eleki na mboka. Mutu mokote ya kufaki. L'esprit des morts est passé, personne n'était mort. De même. Le lingue est mort. Aujourd'hui. Lelo. Nanzela service. À ce service. Lingue yo pozo tombola na ndaku na. Nazo pambola yango. Je le bénis. Ozo espage yango na ndaku na. J'espère na yope. Surtout aussi. Ma paix mon côté ko komela yo. Aucun tourne. Tout sera épanoui. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Luc 22:19-20. Otangi. Allo bien go. Nous l'avons lu. Yo makoko tanga yango. Demain tu vas lire dans la ça maison. C'est la nouvelle alliance. Oye zabo yo kanya sika. Dans mon sang. Katia makila. Qui est versé pour vous. Oye sopani pona yo. Et ils l'ont vécu à cause du sang de l'alliance. Mais balonga ki pona makila ya pati. Yesu azongi biso na makila na ye oyo atangisa ki na ekulusu na nzela ya mystère oyo. Et so connecté biso na makila wana qui est versé pour vous. Et Bible lobi to longi na nzela ya makila na Yesu. Na ye koyebisa yo. Je viens te dire balandi ozo landangai. Très cher télé. Et longa eza partage. La victoire est ton partage. A ta 1000 à ta gauche. Même si 1000 tombent à ta gauche. 10,000 à ton droite. Quand ton zomi na droite na yo. Ne sera pas atteint. Yo oko simba mate. To kotanga ngo na prochaine live. Zon lire émission la prochaine live. Zambé apambola bien. Que Dieu vous bénisse. Mon phone est ouverte après cette émission. Téléphone tu peux appeler pendant 2h, 3h, Nazo Yambabino et Nazo Sambela Ponabino. Sambé Apambola. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis cette breuvage. Tata na pamboli breuvage. Denge balandio soba tomboli ezala mai ezala coca. Tel qu'ils ont élevé. Et loko mo na Nzambe akokomela. C'est qu'un enfant de Dieu peut prendre. Denge tel tomboli ango liboso na yo. Tel que tu l'as élevé. Na pamboli ango e na sanctifié ango. Je l'ai béni et je l'ai sanctifié. Et denge ozo aspecial ndaku na yo. Et tel que tu as spécial. Na bana na yo na yo moko. Na déclaré na komisbino intouchable. Je vois intouchable en na komisbino invisible. Invisible. Devant cette pandémie, oyezo tambola na mokili. Liboso ya bokono oyezo tambola na mokili. Et na déclaré boza épanoui. Je déclare vous êtes épanoui. Nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na marqué bino na makila na Yesu. Je vous marque par le sang de Jésus. Et que Paul a lobi. Et que Paul a dit. Que personne ne me trouble. Parce que je porte sur moi la marque de Jésus. Vous êtes marqué. Avec le sang de Jésus-Christ. Et n'a déclaré protection. Je déclare la préservation. La préservation. Selon sa parole. Par un prophète. Il fit sortir. Par un prophète. Il fit préserver. Vous êtes préservé. Vous êtes préservé. Vous êtes préservé. Au nom de Jésus. Liwa et pekisami. La mort est interdite. Dans ta maison. Dans foyer na yo. Dans ton foyer. Na kombo. Na Yesu Masia. Au nom de Jésus Christ, Sambeli. Nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambola. Nous écoutons les sous dimanche. Nous reverrons encore à 7h. À 7h. Et mercredi. Et le mercredi. À 10h. À 10h. Et vendredi. Vendredi. Na 17h. À 17h. Pour Zangate. Ne manquez pas ces programmes. À chaque culte. Na kumanyo sur la culte. Na ngonga culte. Na vendredi 17h. Je suis là 17h, 18h, 19h, 20h, 21h. De même dimanche. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h. Et mercredi, 10h, 11h, midi, 13h. Ciao, que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambola Bino. Tikana prophétise na vine. Bista balinga bazo kufa ko kufa te. Eloko epomi tata na yo ko poma yote. Eloko epomi mama ko poma yote. Ya ye. Que la vie est spirituelle et que la foi est spirituelle et tu commences à spiritualiser ta vie, tu vas commencer à dominer sur cette terre. C'est moi qui bats la poitrine, je te le dis. Est-ce que Basimba Kazambe?
À partir de l'élo, na komisio intouchable. Amen. Na komisio bino invisible. Na yoko kosa yo, na linie ya batu ba isapa makambu ya tenye wani.